Where did all the times go? When did they all pass by? How did I get so lost in a blink of an eye? Gone. You were just here by my side. Everything was nice. Now I'm taking it's all over now. Damn, I gotta move on. Away from my comfort zone. Yeah, I gotta stay strong. Even if my wounds open and show. Yeah, I gotta live on for the present. Know that everything will be okay. Just fine. Everything will be alright. Hello, hello tout le monde. Et bienvenue dans ce mini vlog. Alors, j'ai décidé de vous faire un vlog par semaine. Voilà. Donc du coup, ce vlog va être monté, je crois, pour la semaine prochaine. Bah non, cette semaine-là. Et il va sortir peut-être dimanche ou samedi. Samedi ou dimanche. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super, super bien. Ce matin, je me retrouve avec vous parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je préfère vous faire des vlogs quand j'ai beaucoup de choses à faire. Comme ça, au moins, il y a du contenu. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais me préparer. Je suis déjà prête. J'ai déjà pris ma douche et tout ça. Je suis déjà habillée. Je vais vous montrer un peu ma tenue. Attendez une minute. Et voilà, ça c'est mon outfit d'aujourd'hui. Un petit jean avec un top noir et des chaussures comme ça. Donc le top il vient de chez Fashion Nova. Je vais vous mettre un petit petite image avec le nom. Comme ça vous irez voir directement. Il est vraiment trop trop joli. Moi quand je porte des hauts comme ça et que je sais que j'ai pas de poitrine, donc du coup je fais rentrer en fait les bralettes de mon soutien-gorge à l'intérieur. Comme ça j'ai pas besoin de l'enlever et je suis confie. Je sais que j'ai pas les seins qui tombent quoi. Voilà. Les bijoux viennent ceux-là de chez Primark, voilà. Le jean, il vient de chez Fit Jean. J'aime beaucoup parce qu'il prend bien la taille et je me sens super à l'aise dedans. Voilà, c'est une très très bonne matière et rien à dire. Et les chaussures, je vais vous les montrer, voilà, celles-ci. Elles sont super agréables et faciles à porter pour tout événement. Elles viennent de chez Simi London. Si je trouve le lien ou une photo, je vous montrerai. Sinon, voilà, elles viennent de chez Simi London. Vous avez juste à essayer de trouver. C'est cette collection de cet été, donc forcément vous allez trouver, je pense. Voilà, voilà. Donc voilà, je vous ai montré mon outfit. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vous dis un peu le programme. Comme ça, si vous voyez qu'il y a des choses qui changent, moi c'est toujours comme ça ma journée. Ouais. Donc je vous dirai au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que j'aille me coiffer, changer de coiffure parce que j'adore mes nattes. J'ai pas de problème avec, sauf qu'elles deviennent vieilles et du coup, bah, j'ai envie de les changer. J'aime trop ma peau en ce moment. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que j'en prends soin et je suis trop contente que ça fonctionne. Donc voilà, je vais changer ma coupe de cheveux. Je vais aller me poser ma perruque chez la meilleure, comme de toute façon tout le temps je vous le dis, c'est Maï coiffure. Donc du coup vous allez me suivre avec moi, elle va vous donner les différentes informations de son site et tout, parce que maintenant elle a un salon. Je suis trop contente pour elle et trop fière. Comme ça au moins bah il y aura plus d'espace pour tout le monde et franchement elle est super douée, vous allez le voir quand je vais y aller. Donc voilà, ensuite je suis censée passer faire mes ongles de pied parce que là c'est une catastrophe, ça fait plusieurs fois que je vais repasser. Je remets le rendez-vous et ensuite ce que je fais c'est que je vais me faire un massage drainant au ventre, soit au ventre, soit à tout le corps. Je suis en train de voir si j'aurai le temps. Après, je dois passer saluer mes petits frères parce que ça fait 2-3 jours que je suis à la ramasse, que je leur dis je vais venir. Et au final, je viens pas. Je me sens un peu coupable. Parce que je suis une grande sœur, je suis comme ça. Donc du coup, je vais passer les saluer un peu. Là, l'après-midi, ils ont pas cours parce que ici, eux, leur école, elle continue. Donc voilà, je vais passer leur faire un coucou si je peux. Et si j'ai le temps l'après-midi, faire sortir un peu Michael pour le faire jouer un peu parce que c'est vrai que ces temps-ci là, il a pas fait grand-chose. Donc du coup, voilà, peut-être aller à Bijou Mall pour le faire se dépenser et ensuite rentrer à la maison. Voilà, ça c'est un peu mon programme que je me suis fixé. Mais là, j'étais censée être là-bas à 10h. J'ai toujours pas bougé de la maison. Quoi. Faire laver les vêtements, donc du coup voilà. Donc ça c'est mon sac avec toutes mes perruques. Elle vous fait tout, hein. Elle les ajuste, elle les lave, elle fait un bain d'huile et du coup quand vous posez vos perruques, elles sont vraiment à dimension de votre tête. Moi j'adore être à l'aise et avoir la possibilité en fait de coller ou de ne pas coller ma perruque, qui est possible avec elle vu qu'elle me met le dos. Donc du coup des fois quand je suis en Europe, quand je rentre, bah j'ai pas forcément besoin d'aller chez un coiffeur parce que bah c'est déjà fait quoi. Et moi surtout je suis quelqu'un, des fois je suis allergique à la colle si c'est pas la bonne colle pour ma tête, donc du coup bah
quand elle le fait, j'ai pas besoin de coller ou autre. Donc ça, franchement, je vais pas vous mentir, ça arrange beaucoup. En plus, elle le fait un bain d'huile, elle confectionne bien la perruque, quoi. Comme ça, après, t'es super tranquille et t'as pas à repasser à chaque fois. Vraiment pour, j'y vais là parce que je veux vraiment quelque chose qui va tenir pendant toute la semaine. Mais sinon, c'est vraiment pour les occasions que j'ai chez Maï, parce que quand elle finit de me les confectionner, j'ai besoin de repasser tout le temps pour aller la coller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super pour les personnes qui aiment pas justement tout le temps avoir la perruque sur la tête. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous allez me suivre aujourd'hui et je vous dis à tout de suite. Il est encore au lit. Ouais, c'est les vacances. N'oublie pas de remercier le Seigneur toujours avant de débuter une journée. Ah. Changer un peu. Pépé, tu es ici. Tu veux nous créer des problèmes, c'est ça? Le changement va se faire. Calculez pas ma tête et la coupe que j'ai en ce moment. Je me suis attachée les cheveux parce que je voulais me coucher un peu vu qu'au final je rentre à la maison pour manger et je pense que je ferai mes ongles demain parce que le temps est très mauvais et là je suis rentrée, je devais passer aussi chez mes petits frères comme je vous avais dit et je sais que j'aurai pas le temps parce que mon fils il dort. J'attends qu'il se réveille, comme ça je passe chez mes frères, allez, salut à la maison familiale et ensuite je rentre à la maison parce que sinon je sais que le salon il ferme à 18h ou 19h. Donc j'aurai pas le temps de faire et mes ongles et le massage, donc je vais remettre ça à demain. Je pense que je vais filmer cette partie là et l'inclure en fait dans la vidéo, comme ça vous allez pas rater ce moment là. Et pour celles qui ont besoin d'informations aussi, ou faire leurs ongles ou les massages spécifiques pour femmes enceintes, femmes qui viennent de faire une opération, ou même juste un endroit cosmétique tout court, je vous montrerai cet endroit là. Je crois que j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre, mais je vous montrerai aussi dans cette vidéo, comme ça vous pourrez le voir. Et le temps est très mauvais aujourd'hui, comme les deux jours précédents où j'essaie de faire quelque chose aujourd'hui. Dieu merci, je suis quand même allée me coiffer, mais quand le temps est comme ça, j'aime trop pas sortir. Mais bon, ça fait 3 jours, comme je vous l'ai dit, que je promets à mes petits frères que j'irai les voir. Donc aujourd'hui, je suis obligée de le faire. J'attends juste que Michael il se réveille, comme ça on y va ensemble. Puis je vous emmènerai avec moi. Voilà, voilà. Je montre juste un peu le temps actuellement. Voilà, il pleut comme ça depuis, depuis 13h, sans non-stop, un peu plus fort, un peu moins fort, mais non-stop comme ça. Dites-vous que depuis qu'on est arrivé à la maison, les enfants, ils n'ont même pas la possibilité de pouvoir nager parce que il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps et quand il pleut pas, je me dis que le temps n'est pas assez bien. Et quand je veux bien, il pleut, donc c'est tout le temps comme ça. Voilà un peu. Je vous montre un peu notre salon qui est un peu dans le bazar parce que les enfants ils jouent tout le temps. Tous les meubles de ma maison viennent de chez Phénicia. Phénicia, ils ont un magasin à Marcoury et je pense qu'ils en vendent d'autres, mais nous on a tout pris à celui de Marcoury. Donc j'aime beaucoup mon salon. On a tout choisi, j'ai choisi avec monsieur. J'ai tout apprêté toute seule juste avant de rentrer et de me faire enceinter pour la deuxième fois, mais sinon. Voilà, voilà. Je vous ai toujours dit que j'allais vous montrer un peu mes meubles de salon. C'est la première fois que je vous montre. Monsieur Mike. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Let's go pour moi pour une journée de sport. Donc je vous montre ma tenue. De toute façon, ce vlog il sera fait en 2 parties. Donc la journée d'hier est passée, c'est une nouvelle journée, comme vous pouvez le voir. J'ai pas encore fait le lien, regardez pas. Et voilà, je suis super confiée là-dedans, c'est une tenue Adidas. Là, je pense pas que je vais retrouver le lien, parce qu'on l'a acheté avant que je revienne en mars, je crois. Et du coup, franchement, je pense pas trouver le lien. Voilà, regardez ma petite coiffure, j'avais mis mon bonnet pour dormir et là je me suis réveillée ce matin. Je l'ai bien apprêté et tout. Je vais devoir l'attacher parce que vu que je vais faire du sport, mais Maï, elle est trop trop forte, regardez-moi ça. C'est trop bien. C'est trop bien fait. Je suis assez contente. Je trouve que ça me donne une petite tête de bébé. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je suis très très contente de ma coiffure. J'aime trop. Donc là, je me prépare, on va aller au sport avec monsieur et ensuite je vais faire mes ongles aujourd'hui, c'est sûr. Je vais pas
je vais pas changer d'avis et je vais faire mes ongles et mon massage drainant. Et ensuite, je rentrerai à la maison pour essayer de voir si je peux faire sortir les enfants, les faire kiffer un peu. En tout cas, c'est mon petit programme. Je vais faire le lit et je vous montre tout ça. Et ensuite, on se tient pour la journée. Une bonne journée. Let's go. On passe à quand? Alpenzo. T'es prêt pour le sport? Voilà. T'es sûr que t'es prêt parce que... Non, pardon. Avec la gueule de bois là. Bref. Bon. Moi je suis prête. J'ai mal partout mais j'espère qu'aujourd'hui il va me détendre un peu. Enfin, je vais demander pardon, hein, d'habitude. Et sinon ça va, je suis en forme. Je me sens belle ce matin. Beaucoup de courage, allez Aïcha, je t'aime bien mais à Marie-Cha. Ton vélo ça ne m'arrive pas, on promet mais on m'arrive pas. Aïa, qu'est-ce qui m'arrive hein? Je pense elle m'a dit t'es fini, non. Donc les gars, je suis arrivée dans mon endroit de soins. J'ai pas filmé en entrant, mais je filmerai en partant. Je sais pas s'il y aura la luminosité ou je vous montrerai une photo. Mais là, je suis arrivée. C'est vraiment trop bien, trop joli, minimaliste et j'aime beaucoup. Les prix sont super abordables et les prestations sont top. Du coup, voilà. Là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis venue faire mes ongles et un soin massage drainant pour le ventre et le corps aussi. Donc voilà. Je suis à présent en train de faire les ongles de pied. Je vous montre ça tout de suite. Ma CP Regina, que vous connaissez tous sur la chaîne, est en train de faire ses ongles. Et Grando va faire un soin de visage. Donc pour vous dire que c'est vraiment accessible pour hommes et femmes, les prix sont vraiment bien et ils font toutes les prestations. Vous avez juste à aller sur leur page que je vais mettre juste là et franchement c'est vraiment top. J'aime trop. Ça se présente comme ça pour faire la pédicure. Là, c'est les escaliers qui vous envoient directement pour les lieux de massage, pose de cils, extension cils, tout ce qui est soins de visage. Il y a aussi des prestations chirurgicales, donc pour toutes les personnes qui veulent, renseignez-vous. Voilà, lieu pour la manucure. Ils font aussi des poses de perruques, de la vente de perruques aussi. De l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, c'était la fin de ce vlog. On a terminé en beauté, on a fini par faire nos ongles de pied. Même si le massage n'a pas encore été fait, mais bon, je vais terminer tout ça demain. Et enfin, envoyer les enfants à Abidjan Mall. Je crois que je vais faire ce vlog en plusieurs parties. Genre, ça sera un weekly vlog. On va dire ça comme ça. Comme ça, ça sera ma semaine passée avec vous. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, je vous dis bonne nuit. Et je vous dis à demain. Dame, tu dis bonne nuit? Bonne nuit. Et voilà, je suis prête ce matin pour une nouvelle journée. Franchement, je suis dégoûtée, il pleut encore. Franchement, des fois, j'ai envie qu'il y ait du soleil là, mais bon, ça n'empêche pas que Babi reste Babi, c'est toujours agréable. Mais il pleut quoi, il pleut depuis une semaine déjà, donc bon, on est fatigué. Et bon, donc comme je vous disais, on est fatigué, mais on n'a pas le choix. Ce matin, je suis en full gros t-shirt parce que je vais faire... terminer mes soins, le massage enfin. Donc voilà, j'ai mis un gros t-shirt avec un petit collant
Voilà, tranquille, oversize. Je vais faire mes cheveux et ensuite je vais y aller. Je sais même pas si je vais faire. Non, si je vais quand même faire mes cheveux. Je vais pas abuser du bail. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un. Quand je suis dans les tenues comme ça, là, j'aime pas faire d'efforts. Mais au moins, je sais que mes soins sont faits. Je vais faire mes cheveux et ensuite je vais ressembler à quelque chose de divin. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, déjà avant de commencer toute journée, on se prend la pilule, hein, parce que voilà, j'ai déjà deux enfants. Et ensuite j'attends juste un peu le temps de faire mes cheveux pour prendre mon collagène du matin. Oui, parce qu'en ce moment je prends du collagène, c'est pas un truc de ouf, mais ça aide. Je prends de l'âge, j'ai quand même, même si vous le savez pas, 26 ans. Et oui, ça ne se voit pas. J'ose espérer que ça se voit quand même, mais je sais pas. Donc du coup, oui, il faut prendre du collagène pour l'entretien du corps à l'intérieur et tout ça. Je vous expliquerai plus en détail après, mais du coup, voilà, je fais mes cheveux et je vous reviens. Et voilà, votre go est prête. Ça y est, je suis ready pour ma petite journée. Donc aujourd'hui, finalement, on fera la sortie avec les enfants. Enfin. Cette sortie tant attendue par les enfants aujourd'hui, mon fils s'est habillé, il a dit maman, aujourd'hui on part à Abidjan. Moi j'ai dit oui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, donc on ira à Abidjan Mall avec les enfants. Donc comme je vous ai dit, je vais prendre mon collagène du matin, je vais manger quelque chose et aller faire mon massage. Quand je finis le massage, je suis aux enfants aujourd'hui, je fais rien d'autre. Et ce soir, c'est la sortie des parents. Ouh, et j'ai été sacrée par là. Vous savez, quand tu prends de l'âge, tu dois faire attention à toutes ces petites choses là pour rester en forme. Le bien-être, surtout, c'est important, naturel. C'est-à-dire que tout naturellement. Là, par exemple, je vais sortir, je suis sans maquillage parce que je fais attention à prendre soin de ma peau avec les bons produits. Pas des produits qui agressent la peau ou autre. Des produits qui sont certes lents, mais qui font le travail et qui sont apaisants pour ma peau. Tout ça, ça, c'est super important quand tu prends de l'âge. Vous savez, la femme, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, faut faire attention à la femme que vous êtes. Prenez soin de vous. Les petits soins de corps et tout ça, c'est très, très important. Pas pour les autres, hein, mais pour vous-même. Après, vous sentez bien là. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Let's go. Bon, nous sommes prêts. Let's go pour faire jouer les enfants à Abidjan Mall. Les gens qui m'ont laissé, ils n'ont vu fumer tous ces gens qui m'ont déçu. Si t'es avec moi, c'est pour venir m'écouter. Tonight, il y a tous les jeux et tout pour tous les âges, c'est trop bien. J'ai fait 48 de score. Yeah! Folie pour me donner ici. Yeah, les gars! Ok, Kassa, qu'est-ce que tu as dit pour ta défense? Je ne savais jouer au boule. Tu es sûr que c'est à toi de jouer, hein? Hein? Tu es sûr? Pour pas aller gâter mes points. Et. On y va, c'est parti. Bon, point de début, c'est pas mal. Bon, je suis venu le terrassiner au bouli. Kylie et Kassa. Le dernier, c'est moi qui aurais dû jouer. Et ils l'ont fait jouer. Ça fait zéro, ma chérie. C'est toi qui as joué. Non, ils l'ont fait jouer. Ça fait zéro. Ah. Sinon, regardez tous ces strikes là. Kylie. Hein? Kassa. Okay.
encaissé, pasteur. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Hein? Match retour. Match retour. Bon, dans tous les cas, la deuxième partie... C'est pas grave, j'ai gagné quand même. Bref, la deuxième partie, il me gagne. Non, là, on voit pas. Ça, c'est les meilleurs. Bref, la deuxième partie, il me gagne. Il a fait 102, j'ai fait 60. 40 points de commande. Oh! We'll be right back.